Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus près de vous, qui vous apportera toujours de la valeur, qui sera toujours au centre de vos attentes. Sachez qu'ici nous parlons de projets crypto, nous parlons d'éducation financière, nous parlons de mindset, nous parlons de développement personnel, nous parlons comme ça d'éducation financière, car c'est l'éducation financière et le savoir qui te feront grandir. Voilà, vous savez que actuellement nous sommes en train de traverser une période de notre vie où la révolution numérique a vraiment pris le contrôle, voilà. Et si tu n'as pas vraiment la formation requise, je ne pense pas que je pourrais t'en sortir. Donc c'est pour ça que j'insisterai toujours dans mes publications de vous former, les gars, formez-vous. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement, parce que si vous avez une bonne formation, vous allez devoir être, vous allez avoir les armes pour pouvoir vous en sortir dans cette révolution. Car si tu n'as pas de formation, tu vas naviguer dans du vide, voilà. Tu vas naviguer sans cap, voilà, et tu vas te perdre. Et tu vas pouvoir perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est mieux de se former maintenant sur tout le plan, sur le volet, sur le volet sécurité, surtout. C'est également indispensable. Donc, les gars, je veux partager avec vous quelques achats, voilà. Actuellement, vous 10 milliards de pièces. Actuellement, donc il y a de cela 15 heures, aujourd'hui à 15 heures, donc 10 milliards de pièces, donc à 15 heures 2, il est 15 heures 2 actuellement, voilà, donc 10 milliards de pièces, pour avoir 10 milliards de pièces, il vous faut dépenser environ $56 avec des frais, $56, donc c'est 56 euros avec les frais. Il y a de cela quelques mois. Avec ce montant, si il fallait, vous aviez comme ça à peu près plus de 50 milliards de pièces. Vous voyez que le prix est en train de monter. C'est pas tout, on va aller encore. Ici, voici un autre holder ici. Lui, il a vraiment fait fort. Voilà. Aujourd'hui, à 11h, il a acheté 750 milliards de pièces à $4400. Vous voyez? Oui, c'est ce qu'il a acheté. Oh, avec le montant, s'il avait acheté, il y avait de cela 2 semaines ou un mois. Ou lorsque, imaginez, lorsque le Baby Doge, pour avoir 1 milliard, il fallait, à l'époque, lorsque le Baby Doge était à 1 dollar pour 1 milliard, avec ce montant, s'il devait avoir combien? Il devait avoir 4 496 000 milliards. Avec ce montant-ci. Imaginez s'il était entré avec ce prix-ci, s'il était entré dans ce marché avec ce prix-ci. Lorsque 1 milliard était équivalent à presque 1 dollar, imaginez. Vous voyez comme les frais de réseau sont très bas sur ma chaîne. Parce qu'il y a des heures, il y a des moments où les frais sont très bas. Il y a des moments où, pour ce montant, si vous dépassez environ même 4 ou 6 ou 6 dollars, bon, il y a des moments où vous dépensez moins. Bon, s'il avait même négocié les frais, il devait être même à 2, à 1,20. Voilà. Donc, les gars, lorsqu'on vous parle de projet, certaines personnes négligent, d'autres personnes profitent. Il est bien vrai que tout le monde ne peut pas arriver au ciel le même jour. Ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Mais la chaîne Entrepreneur Web 3.0 a longuement partagé le projet Baby Doge pour permettre à toute personne intelligente ou passionnée de crypto-monnaie de prendre position elle-même en faisant ses propres recherches par après. Certaines personnes ont pris position, d'autres ne l'ont pas. Et actuellement, il y a certaines personnes qui sont en train de regretter déjà parce qu'ils n'ont plus vraiment la force d'acheter autant de milliards que possible. Parce que lorsque le projet est encore évident, vous avez négligé le projet. Certaines personnes ont négligé le projet. Voilà. Donc, voilà, je vais donc continuer avec une autre vidéo ici là. Aujourd'hui, 1042 milliards de Baby Doge coin acheté hier à hauteur de $5000. Voilà, c'est aussi une autre personne qui a acheté hier pour $5000 de pièces. Donc, et aujourd'hui, il se retrouve à 6100. Donc, juste en 24 heures, il a gagné environ $1129. Ouais. C'est quand tu investis gros, tu gagnes plus gros. Mais c'est aussi le risque d'investir gros. Mais actuellement, tel que je vois l'ATH de ce marché, on va d'abord brûler 1-0 avant que le marché va un peu rechuter un peu.
tel que je vois. Donc ça, c'est vraiment mon expérience, hein. Parce que tel que selon mon analyse à moi, on va d'abord brûler 1-0. Brûler 1-0 et la tendance haussière doit continuer avant de se stabiliser et il y aura pas mal de corrections qui vont suivre. Donc les gars, restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes, soyez vraiment vigilants. Voilà, ne perdez pas de vue les différentes informations que nous vous partageons ici. Voilà. Et là, c'est un Sénégalais, donc ce dernier est au Sénégal, voilà. Donc c'est la crypto-monnaie comme ça. Donc imaginons que avec ces 1100, 1024, 1042 milliards de Baby Doge, si demain le Baby Doge est seulement, attends, on va prendre un exemple. Hein. Pour l'exemple, on va simuler le calcul. Si demain le Baby Doge est à 0,00, ça, il est toujours milliardaire. Et si le Baby Doge en 2024, si il est un bon holder, il attend même 2024 où le Baby Doge sera à ce prix-ci en 2024. Ça peut être à ce prix en 2024 ou ça peut être au moins, ça peut être plus, on ne sait pas. On va voir l'évolution du marché maintenant. Ce sont juste des prédictions. Les prédictions peuvent être, ce sont des suppositions, voilà, qu'on imagine à travers certains modèles de calcul ou à travers certaines analyses. Voilà, on peut donner des prédictions. Voilà, il peut arriver que ce soit au-delà ou en dessous. Voilà, puis tu étudies quand on donne toujours des prédictions. Voilà, donc on essaie toujours d'évaluer dans l'avenir. Donc, c'était juste pour partager ces informations avec vous. J'espère que j'ai encore. Voilà, ici c'est lorsque le baby dort. Ça, c'était tout à l'heure au courant de la journée. Il a failli, il était bientôt arrivé. Le baby dort a failli brûler 1-0, puisqu'il était à quelques centimes pour avoisiner les pour brûler 1-0. Parce que lorsqu'il est quand il est. Vous voyez ici, le Baby Doge, ici là, il était le Baby Doge. Parce que moi, il prend toujours des captures d'écran. Parce que ces captures d'écran, elles vont me servir demain. Demain, quand je vais réaliser des vidéos, lorsque le Baby Doge sera à 1$, je vais sortir toutes les captures de la progression du Bitcoin. Voilà, la progression de cette crypto-monnaie. Voilà, pour éveiller les consciences, pour démontrer à A plus B que la crypto-monnaie a un principe. Premier arrivé, premier servi. La terre appartient aux premiers occupants. Voilà. Ici, il n'était pas très loin. Il n'était pas très loin de 0, de 8-0 après la virgule, suivi de 99. Il n'était pas très loin. Il manquera encore juste 10. Voilà. Mais ce qui est sûr, tel que je vois, le Baby Doge va brûler 1-1-0. Voilà. Va continuer sa tendance haussière avant d'effectuer pas mal de différentes corrections. Voilà. Voilà. Pas mal de différentes corrections et redescendre encore à un certain seuil. Et après, elle va replonger, après, elle va repartir encore. Voilà, va se comment le marché va se comporter. Le marché de Bitcoin va se comporter, ça va comme ça. Voilà, correction, 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 correction. Parce que avant avril 2022, il sera à 2-0, il sera à 6-0 après la virgule. Donc en avril 2021, selon mon analyse à moi, voilà, le Baby Doge sera 6-0 après la virgule. 6-0 après la virgule. Suivi de 1. 6-0 après la virgule, suivi de 1. Donc les gars, ne perdez pas de vue ces différentes informations-là. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Voici également un autre portefeuille ici. Regardez un autre portefeuille ici. Il a combien? Ici, il a combien? Pouf, c'est vraiment énorme. Hein? C'est énorme, cela. Ça, ce sont des personnes qui ont pris position. Qui ont pris position, ils ont pris position au moment à la création. Vous voyez, ils ont pris position à la création du Baby Doge. Donc, ça, c'était il y a cela 2 jours. Ça, c'était vendredi. Voilà, cette capture-ci qu'il nous a partagé, c'est un autre leader aussi. Voilà, il nous a partagé cela. Regardez le nombre de pièces qu'il a. Il a combien? Il a 7 milliards 753 646 milliards. Attends. Millions de milliards. Donc, il a fait le million de milliards. Et actuellement, la valeur. Et actuellement, la valeur. Actuellement, il a 41 000 dollars. Je suppose qu'à l'époque, lorsqu'il est entré dans le marché, il n'a même pas dépensé 200 dollars. Peut-être à l'époque, il n'a même pas dépensé 200 dollars. Celui qui n'a même pas dépensé 200 dollars ou 150 dollars. S'il a pris position au moment, dès que le baby doge a été créé, s'il a pris position en ce moment-là, c'est que. Pouf, ouais. C'est pour ça que moi, je crois à la crypto-monnaie. Ceux qui ne croient pas à la crypto-monnaie, de toute façon, tout le monde n'est pas obligé de croire. Et je suis convaincu que grâce à la crypto-monnaie, nous serons tous des milliardaires. Nous serons tous des milliardaires. Je suis convaincu que grâce à la crypto-monnaie, nous serons tous des milliardaires, les gars.
Ne perdez pas de vue les informations que nous partageons ici. Plus de personnes en ont à profiter. Je reçois comme ça plusieurs félicitations, plusieurs messages de soutien. Voilà. Parce que plusieurs personnes ont connu le Baby Doge grâce à cette chaîne. Parce que j'ai longuement partagé ce projet. Voilà. C'est un projet que j'aime. Vraiment, j'ai pris position depuis le départ quand certaines personnes étaient en train de dénigrer de Baby Doge. Donc, j'ai cru au projet. Voilà. Parce qu'il faut d'abord croire avant de commencer même à partager, voilà. Parce que tant que vous ne croyez pas, vous n'allez pas bien expliquer. Donc, j'ai tellement expliqué le projet Baby Doge qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de me remercier. Il y aura plusieurs, parce que mon objectif est de créer une communauté de milliardaires et on va y arriver. Une communauté de milliardaires d'ici 2023, on va y arriver parce qu'il y a plusieurs projets sur lesquels je publie généralement. Voilà, il y a le projet Saitama que les gars, vous ne devez pas oublier. Il y a Arriva, il y a le Shiba que vous ne devez pas oublier. Il y a le projet Riot Protocol. Il y a plusieurs projets comme ça, voilà. Donc, et il y a aussi l'investissement dans l'immobilier. Ouais, je ferai une vidéo là-dessus pour vous montrer comment vous pouvez investir dans l'immobilier, même à partir de 10 dollars ou 10 euros. Investir dans l'immobilier. Ouais, je vais vous expliquer ce concept dans les prochains jours. Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. C'est vraiment intéressant. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre un crédit à la banque. Non, non, non. Vous pouvez investir juste à partir des 10 dollars. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment le business fonctionne. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, je pense qu'on a comme ça parcouru pas mal. Voilà, ça, c'est Baby Dash qui s'est laissé sur Kraken. Voilà. Ici, ça, c'était hier. Ça, c'était comme ça. Un sondage. Donc, hier, Baby Doge avait un pourcentage de presque 40% et le Shiba avec 31%. Le Saitama avait 7%. Le Kishu ici avait 23%. Voilà, ce sont des projets comme ça qu'il faut pas louper. Donc, si vous listez ceci, félicitations, vous avez découvert la crypto-monnaie avant la majorité du monde. Voilà. Bon, ça c'était à peu près la position du Baby Doge. Ça c'était avant-hier. Regardez très bien lorsqu'il est encore à 0,56. Regardez bien. Regardez bien à gauche. Regardez bien à droite. Voilà. C'est pour vous dire alors que lorsque. Voilà, ça c'était les 10 cryptos. Non, ça va être. Donc, de toute façon, je vais clôturer cette vidéo. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Donc, les gars, la suite au prochain numéro. Bye bye.